Je crois que c'est la fin d'une époque du standard, ça. Monsieur Denofrio, j'ai c'est toujours clair. eu une bonne relation avec lui, j'ai jamais eu de problème avec lui. Et donc, je crois aussi qu'il a fait un excellent travail au niveau chacun du évidemment, standard. C'est sa façon de travailler. Lui avait la sienne, moi j'ai la mienne. Ce ne sera pas facile donc, de faire aussi bien que lui ne l'a fait, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer. C'était il y a 5 mois déjà. Ron Jans, entraîneur méconnu en Belgique, mais réputé aux Pays-Bas, débarque au Standard de Liège. Un énorme challenge pour le Néerlandais, un 10 homme points sur 15, un bilan honorable, mais l'homme est déjà critiqué. Et puis, c'est la descente aux enfers. 4 défaites de suite en championnat, et une qualification dans la douleur, en coupe. La défaite de dimanche à Mons a définitivement scellé le sort de Ron Jans, qui peut aujourd'hui faire ses valises et quitter définitivement Sclessin. Reste à voir qui aura la lourde charge de remplacer le coach néerlandais et de redresser la barre avec le noyau existant. Standard a trouvé son nouvel entraîneur. Il s'agit de Mircea Radnic. Le Roumain est bien connu à Liège. C'est un ancien joueur du club. Il a signé aujourd'hui un contrat jusqu'au fin de saison. Il sera présenté demain midi à la presse. Bonjour à vous tous. Merci d'être venus si nombreux. Nous sommes là pour faire le point de la saison écoulée. Un coach néerlandais, Ron Jans, contre l'avis de tous. J'ai cessé de travailler avec Ron Jans. Et que par la suite, l'équipe a été redressée.
J'ai été félicité par beaucoup de personnes pour avoir eu la clairvoyance à ce moment-là de faire ce que j'ai fait. Il est incontestable que Mercia Rednik est un des meilleurs entraîneurs que nous avons en Belgique, à mon avis, ces derniers temps, qu'il est très fort au niveau défensif, ce qui était une lacune sur Mourinho. Nous avons choisi un autre entraîneur pour la saison prochaine, qui est Guy Luzon. Guy Luzon est un entraîneur israélien qui entraîne l'équipe des espoirs d'Israël, qui, à notre avis, peut encore apporter un plus au niveau et surtout que, en fait, le jugement final, si c'est une bonne décision ou pas de remplacer le coach actuel très très bon par un autre coach qui est peut-être encore meilleur, on ne sait pas si ce sera un bon choix ou pas, mais ça a été le choix. Alors, Laurent Châtelet, on l'a appris, Mircea Rednik n'est plus l'entraîneur du Standard, mais pour quelle raison? C'est que nous avons constitué un אם לא החלטה של אמת, לא לוקחים אותה. כי אני, תקשיב טוב, יש מישהו שאיתי בצוות, שאני הולך איתו יד ביד, הולך לי כמו חבר כמו אח, לא מכיר לי את החרטות. והוא, ואם, ותקשיב טוב, וגם הוא, ב-100% שלם, זה שהוא מתרגש ממכם. הוא מתרגש רק ממכם, שמינו טוב. מה אגיד לך שלכם? גיא, אתה יכול להגיד שהוא שלם, גיא, עזוב, נו. אמרתי לכם, זה שאתם לא רגילים, תקשיבו טוב, לתפקיד, בכלל כזה, תשמע, סקאוט, אני אומר לכם, סתם חרטה, זה לא אני אשם. זה, לך תשאל היום, לך תשאל טוב. היה לנו פה דודו דן הזה, גם סקאוטר. תקשיב טוב, מה אתה משווה בכלל? מה אתה משווה? מה אתה משווה בכלל, דודן? תראי איתה, בכלל משווה דודן ליוסי אבוקסיס? לא, דודן אבל מפריך את הקבוצה, הסקאוטר. יוסי אבוקסיס זה גבר, זה דודן, אל תשגעו אותי אתם. יוסי אבוקסיס זה גבר, אבל אם הוא לא היה אם הוא לא היה שם, מה הוא עושה עכשיו? מה הוא עושה עכשיו שמתחילים? הוא לא אמר איתך במסיבות שלהם ביחד. הוא עכשיו בחדר בוגן. תבואו, תתרגשו. התרגשות, מה אתה רוצה? בואו תקשיבו גם אתם, בואו תקשיבו. תקשיבו טוב. דברונו, אחלה. תקשיבו לי. Pas duré trop longtemps parce que j'ai compris tout de suite, je crois que même pas deux minutes. Parce que lui, il a mal commencé. Il a commencé avec les points négatifs. Moi, je m'attendais, même si tu as déjà décidé de ne pas prolonger mon contrat, de commencer de dire Mircea, je te remercie parce que qu'est-ce que tu as fait pour mal commencer. Après deux minutes, j'ai dit stop, arrête, je ne veux pas continuer avec moi. Je donnais la main, je dis. Il manquait de respect, c'est ça qui m'a fait mal. Lui, il doit apprendre de respecter les hommes qui travaillent pour Standard. Il doit apprendre de respecter les supporters. Ça va tomber mal pour lui. Ça, c'est comme on dit, un conseil que moi, je lui donne. Aujourd'hui, peut-être, Duchâtelet, il a gagné en bataille. Il a mis un enfant de Standard, un vrai Standardman, il l'a mis à côté. Mais il n'a pas gagné, il a gagné en bataille, mais il ne va pas gagner la guerre avec les supporters, avec Standard, parce que s'il ne change pas sa philosophie, il va être très dur pour lui. Ça, ça vous choque? Ah, je ne suis pas cautionné, cette opération-là. Ça fait deux ans que je suis là. Il y avait une trésorerie saine au Standard. Maintenant, il prend tout et il le met dans sa société.
Vous allez démissionner en tant qu'administrateur du Standard. Je démissionnerai en tant qu'administrateur, c'est clair. Je ne resterai pas dans ce conseil d'administration, qui n'est pas un conseil d'ailleurs, puisqu'on s'est réunis qu'une fois. Et donc on est là comme des porte-fleurs, puisque c'est le départ de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. On ne m'a même pas prévenu, il n'y a du tout. Et non, sur le principe, je ne resterai pas pour la suite du conseil. Il a dit le matin, on apprenait que Roland du Châtelet retirait 20 millions des comptes en dividendes, soi-disant pour projet fiscal, etc. Et puis à 13h30, la grosse douche froide, Mircea n'est pas prolongée. Je pense que là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mircea a récupéré une équipe qui était à la dérive. Je pense qu'il est arrivé à un moment où il était grand temps de faire quelque chose. Il a fait le nécessaire, donc c'est-à-dire qu'il a qualifié l'équipe pour les play-offs 1. Et puis au-delà de ça, il l'a qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc je ne vois pas quels étaient les motifs de Roland du Châtelet de licencier Mircea. Dire que l'évaluation serait faite du travail de Mircea, alors que le lundi, l'entretien a duré 3 minutes. C'est pas une évaluation pour nous. Donc c'est vraiment clairement se moquer de nous. Son choix a été fait le mardi quand il nous a rencontrés. Il a menti en préavis hier, donc en assemblée extraordinaire. Et nous avons décidé, donc à l'unanimité des clubs de supporters, de voter et de communiquer, donc d'envoyer un communiqué dans lequel nous demandons la démission pure et simple. Les deux premières actions auront lieu, la première le 27 juin. Nous allons faire face à un salaire à la direction, mais nous ne voulons pas prôner la violence. Donc c'est des choses quand même relativement importantes à nos yeux. Roland du Châtelet doit comprendre que sa place n'est plus à ce que ça. Et nous allons le faire via nos messages, via nos voix et via ce que la ferveur des supporters du Standard peut présenter, c'est-à-dire la hargne. 27, donc la manifestation, une autre action est prévue ? Oui, donc nous avons décidé de commun accord et à l'unanimité de nous retirer de l'organisation de la journée porte ouverte qui a lieu le 21 juillet. Simplement le boycott des marques Standard et de ne plus acheter d'équipements Standard jusqu'à nouvel ordre. Si vous n'atteignez pas les ambitions du top 3. Absolument, à ce moment-là, on se met à table et puis on essaye de retrouver un repreneur qui est meilleur que moi.